Bonjour pour cette nouvelle vidéo. Alors, on va cette fois-ci on va parler de je vous laisse deviner. Non, c'est tan 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 l'interprète de MacGyver, enfin de l'ancienne série MacGyver, parce qu'il y a la nouvelle, il y a l'ancienne série avec Mac Richard et la nouvelle série avec Mac Lucas. Moi j'aime bien les deux séries, j'aime bien les deux séries avec Mac Richard et Mac Lucas parce que j'aime, c'est le personnage de MacGyver que j'aime parce qu'il fait tellement des choses, MacGyver, avec tout ce qu'il trouve, que il peut toujours s'en sortir, il a toujours une solution à tout. Alors, on va parler de Mac Richard, oui, de Richard Anderson. Donc, voilà, donc Richard Anderson, actuellement, il a 72 ans. Voilà, donc, voilà. Bon, il a fait que deux films en 85-86. Il s'est arrêté à faire sa dernière série en 2013, je crois. C'est ça, oui, 2013. Donc, sa dernière série, c'est Don't Trust Me and Apartment 23. Voilà. Ah, mais il joue au rôle de son propre rôle. Dans cette nouvelle série, Mac Richard, je veux dire Richard Anderson, parce que moi j'appelle Mac Richard, il s'appelle dans cette série Richard Anderson. Voilà, donc, alors, voilà. Donc, après, il a fait deux jeux vidéo aussi. Sorti en 97, qui s'appelle Fallout, où il joue le rôle de Kylan Darthwater, le maire de dépôt vide. Voilà. Et deuxième film en 2013, sorti en même temps que la série télévisée qu'il a fait, qui s'appelle, le jeu vidéo s'appelle Stargate Unleashed Colonel Jacqueline. Voilà. C'est un jeu vidéo, je l'achèterai, je vais le présenter sur ma chaîne YouTube. Donc le projet de jeu vidéo n'a pas encore commencé, mais. Voilà, on va parler encore de Richard Anderson. Donc, alors, Richard Anderson aime bien le sud de la France. Ça veut dire que il aime tout le sud de la France, soit de l'est, du sud-est au sud-ouest. Il aime du sud-est au sud-ouest. Où il est toujours au TGS, Toulouse Game Show, Richard Anderson. Et donc, alors, voilà. Il aime bien en fait voilà je veux dire vous savez faire du hockey sur glace, enfin il aurait voulu aimer faire du hockey sur glace, mais après plusieurs graves accidents il s'est cassé deux bras une jambe, il n'a pas pu, donc il a lancé sa carrière dans le cinéma pour être acteur de deux films comme je vous ai dit sortis en 1985 1986. Qui s'appelle le pseudonyme s'appelle Odd Job. Voilà, donc ensuite, voilà. Et ensuite, il s'est fait connaître dans la série MacGyver. Voilà. Donc, on va un peu parler de MacGyver, bien sûr, avec Richard Anderson. Et la prochaine fois, on fera une vidéo sur Lucas Steele. Donc, alors, dans la nouvelle série MacGyver, il y a au moins 7 saisons plus. Deux téléfilms. Les deux téléfilms s'appellent À la recherche de l'Atlantide. Et le deuxième téléfilm s'appelle MacGyver, The Trail of Doom, qui veut dire le chemin de l'enfer. Alors, voilà. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à la fin du chemin de l'enfer, on voit Richard Anderson, enfin, Angus MacGyver, partir avec. La fille d'un ami à lui qui était sur la glace, et je sais pas si vous avez reconnu, mais dans le chemin de l'enfer, on voit, enfin, c'est plutôt le contraire. Vous savez, dans le dernier James Bond, 25e film de James Bond, et ben Mourir peut attendre, et ben à un moment donné, dans Mourir peut attendre, on voit. Le même endroit qu'il y a à la fin de MacGyver, le chemin de l'enfer, dans Mourir peut attendre. Vous savez, où on voit Daniel Craig qui rejoint dehors Ralph Fiennes M, où Daniel Craig, dans le rôle de James Bond, dit Madeleine Swann.
en disant que c'était sa femme, Madeleine Swann, mais voilà, qui suivait Buffett. Mais voilà, on ne va pas parler de James Bond, on en parlera la prochaine fois de James Bond sur chaque acteur. Voilà, maintenant on va parler de Richard Anderson. Donc, Richard Anderson, il a fait aussi Stargate, qui est une très bonne série. J'adore Stargate, moi. D'ailleurs, il faut que j'achète la saison 0 parce que faut vraiment que j'achète en premier la saison 1 parce que sinon, une série qui coûte très cher. Et quand je fais un petit peu d'économie, et comme ça, j'achèterai. Et j'achèterai les droits d'auteur, je vous la mettrai chaque épisode sur YouTube. Voilà, donc, en même temps, bon. Je payerai évidemment les droits d'auteur. Voilà. Alors ensuite, bah ensuite, voilà. Donc Richard Anderson, voilà. J'encourage en tout cas Richard Anderson à faire d'autres films, enfin d'autres séries télévisées s'il a envie de faire des séries. C'est vrai que les séries télévisées gagnent plus, mais les films dans le cinéma aussi gagnent plus. Enfin, toute l'industrie dans le cinéma gagne bien. Hein. Et je sais pas si je vous ai jamais dit ça, mais vous savez, je suis inscrit sur le site casting.fr où en fait mon pseudonyme c'est MacGyver007, bien sûr. Voilà. Et voilà. Alors, j'ai au moins 21 messages que je vous montrerai un jour quand on parlera du site casting.fr. J'ai participé à un casting à Marseille. Voilà. Bon, ils m'ont pas pris, mais c'est pas grave. C'est pas. Voilà quoi, ça m'a permis de faire une bonne balade, de voir, de faire connaissance avec des gens, voilà, à Marseille. Voilà, mais un jour j'irai à Marseille, et je vous ferai visiter un jour Marseille, voilà. J'irai aussi au Toulouse Game Show, bien sûr, avec ma femme Alicia Rose. Voilà. Voilà. Et d'ailleurs, si tu m'entends, ma chérie Alicia Rose, eh bien, je vais te dire que toi aussi, tu es fan de MacGyver. Hein? Donc, voilà. Donc, si tu veux voir cette vidéo, eh bien, la prochaine fois, enfin, je ferai souvent des vidéos sur toi, ma chérie Alicia Rose. Comme ça, en fait, voilà. Le temps que. Voilà. Parce que. Le temps que je viens de te voir au Canada. Parce qu'en fait, voilà, ma femme Alicia Rose, elle habite au Canada, elle est canadienne. Bon, comme je vous ai dit la dernière vidéo que je parlais de ma femme Alicia Rose, voilà. Donc, en fait, le temps que j'aille un jour au Canada, te retrouver, ma chère Alicia Rose, et eh ben, en fait, je ferai beaucoup de vidéos sur toi, ma chérie Alicia Rose, ma princesse québécoise. Et voilà. Et comme ça, je pourrais t'apporter tes petits déjeuners. Voilà. Où on partagera le petit déjeuner. Voilà. On partagera, comme tu m'as dit, le ménage. Voilà. Alors, la cuisine, on se fera plaisir. Et d'ailleurs, quand je serai au Canada, je vous la présenterai à vous tous, ma femme Alicia Rose. Voilà, donc voilà. En attendant, voilà, n'hésitez pas à mettre des followers, 100 pouces comme ça ou comme ça, des commentaires, abonnez-vous comme ça, je m'abonne. N'hésitez pas à mettre la petite création de support de vidéo et je vous dis à une séquette pour de la vidéo. Ciao. Les amigos.